Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Lumière Seb. Aujourd'hui, exploration, franchement, je pense insolite. Je suis accompagné toujours de Clément. Et aujourd'hui, il y a Sophie aussi. Et on va aller explorer un lieu un peu mélange prison, Couvent. couvent, église, un petit peu aussi. Ouais, Ben, il y église. a la partie église parce que c'est couvent. Oui, Hein. couvent. Mais voilà, donc n'hésitez pas d'avance à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner à nos chaînes. Allez sur l'Instagram de Lititou13, j'ai pas de conneries, ce sera dans la description. Comme ça, au moins, voilà, tout est fait. On se répare et on y va, c'est parti. Bon, les amis, c'est parti. Donc, nouveau concept caméra, comme ça et comme ça, ok, on y va. Là, faut que je fasse gaffe, moi. Donc, là, voilà, il y a la partie, je pense, ici, c'était l'ancienne église. C'est là, faut qu'on descende. Pas de précipitation. Alors là, petite voûte sympa. Je ne sais pas ce que c'était ici, l'abri sous pente là. Regarde, c'est bizarre là. Peut-être une fontaine, non? Là, regarde. Avec le cercle de pierre, c'est quoi ça? C'est une source? Ouais, là, on dirait une source. Pierre, t'as vu combien sont ouais, mais regarde, il y a un trou là. Regarde, il y a encore un os animal là. C'est-à-dire que c'est humain, toi. Oh, mais tu sais, ça peut être humain. Non. Ils ont fait des fouilles ici, ils ramassent en général les ossements humains, ils laissent pas. Non, ils en laissent en réalité. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'en fait, c'était pas du tout comme ça de base. Enfin, il y avait ce trou là. Le trou là. Il n'y avait pas tout ça. Tout ça, ça a été rajouté. Tout ça, ça a été rajouté. Ouais, ça c'était rajouté, il n'y avait pas ça, je pense. Ouais. Là, je vois une grande pièce. Ouais, mais c'est genre comme s'il y avait de l'eau là. Tu sais, regarde, il y a un trou aussi pour remplir avec une source. Possible, mais. Allez, Clément, à la douche. Maintenant. Oh, tu sais, bouche cousue. Non, c'est ce qu'il y a que ça. Après, c'est facile. Regarde. Putain, mais oui! Mais je l'ai vu tout à l'heure, j'ai même pas fait attention! Donc là, on parle pas trop fort, parce que ça donne dans la cour. Là, y'a rien. Là. Donc là, regardez, on entre dans une pièce. Magnifique. Regardez ça, c'est ouf. Hier, ouais. C'est pas une alarme, c'est moi. Je regarde un peu. J'ai pris le détecteur. Oh merde. Ici, il n'y a rien. C'est un peu sombre, mais c'est pas grave. Je vais le garder dans la poche comme ça.
vraiment magnifique. Alors on sait pas depuis combien de temps c'est comme ça, mais voilà. Regardez ce lustre. Il est juste complètement dingue. Je suis émerveillé. Hein. Trop trop beau. Ah oh, ici j'adore. La bibliothèque elle est magnifique. Alors les plus vieux livres, peut-être qu'ils sont... Est-ce qu'il y a des... Regarde là. Alors, attends, je vais voir, si... est-ce que c'est des livres d'archives? Non mais attends, 1851, mais c'est... C'est quoi comme livre en fait? Ils sont super vieux. Ah, acte de préfecture. Mais c'est ça, c'est tout ce qui est administratif. Ouais. En fait, c'est toute la vie administrative de la ville. Ouais. Complètement. Il est beau ce miroir, hein. J'aime bien, toi c'est comme ça que j'aimerais faire chez moi. Une vieille étagère comme ça avec que des vieux livres. Ils sont à la prise, donc ça. Bah là, moi je suis sourd, tu peux parler plus fort. Regarde, c'est joli ça. On dirait pas une armure romaine? Oui, c'est romain ça. C'est romain ça. C'est romain, ouais, carrément. Incroyable. Bonjour. On est arrivé ici et en fait ce qui s'est passé, montez là-haut, il y a beaucoup de gens. C'est pas vraiment courant parce que c'est qu'il y a quelqu'un. C'est les toilettes là. Toi, regarde. Typique. Je vais faire le misogyne. Il y a des toilettes. Qui sait comment sortir les toilettes? Une fille. Oh là là. C'est trop bizarre. Ah ouais? C'est une vraie porte ça? Ça donne l'autre côté. Ah, mais c'est beau là. Super joli ça. T'as vu la surmesure sous voûte là, c'est incroyable. Là, franchement, on retrouve l'ancien couvent. On retrouve l'ancien couvent. Attends, fais voir, je suis curieux. Non, pas de courant, je regarde s'il y a l'éclairage. C'est quoi ça? Pour monter, utiliser la poignée. Ah, c'est pas pour lire les archives ça? Ne pas couper le fil bleu et blanc, c'est la ligne qui est toujours en service. Il a déclenché. Non. Il est sensible quand tu fais ça. Si, il y a une petite pièce là. Une petite pièce, mais c'est pas très intéressant. Alors c'est où on fait sous-sol ou... Préférez quoi, sous-sol en dernier? Ouais, on s'entame sur... Ouais, sous-sol en dernier, allez. T'as part de là. J'ai des petits sursauts des fois, mais je pense pas que c'est bon. Tu vois comme ça résonne? Il n'y en a pas. Là. C'est là le sous-sol. C'est bon. Ouais. Ça fait l'entrée, on dirait pas l'entrée un peu spéciale, tu sais, des... Et ça fait un peu, c'est... Non, comme les... Comment ça s'appelle, là? Les... Franc-maçonnerie, non? Les anciens trucs où tu partais au Moyen-Âge, un peu, c'est des sortes de trucs souterrains. Je sais plus le nom, j'ai oublié. Moi, ça me fait un peu penser, tu sais, au... Un truc franc-maçon. Ouais, voilà, sur des. Moi, je ne pas ça.
fenêtre qui donne devant là. C'est là. Magnifique. C'est rien, c'est un été. Elle regarde pareil, Romain. Valentinienne. Premier. Toi, c'est là, regarde. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Non, on peut pas y aller. Non, on peut pas y aller, là. Regarde. D'accord. Mais je sais pas pourquoi. Et il y avait des gens derrière, je pense, quand même. C'est bizarre, hein. Valentina 2. Pour que les gens puissent voir mieux. Ah oui, c'est pratique ça. Regardez. Filme pas trop la photo de classe. Vas-y. Il y a le nom ici. J'ai caché. Ah ouais. C'est quelle année? 1975-1976. Incroyable. On tourne sur des trucs. Hallucinant. Mais on voit qu'il y a personne qui vient depuis longtemps quand même. Ça rend bien la lumière quand elle passe là. Qu'est-ce qu'elle va trouver? C'est des placards. Ah, c'est comme en dessous. On est tous le cul blanc, je crois. Bon, l'activité a l'air très calme, même si j'ai un mauvais ressenti. Clément, un mauvais ressenti ou pas? Moi, rien du tout. Sophie, un peu. Ça, c'est sous le gâche. Je sais ce que je vais faire. Là, c'est trop beau, viens voir, regarde. Là, regarde. Oh là là. Oh, il y a les vieilles archives. Oh putain. Ah, ils ont refait la garde-toi pour solidifier l'édifice. Ah, oh, c'est trop beau là. Hein? Attends. Ah, j'ai entendu un bruit comme si, tu sais, comme un bruit d'aile d'oiseau. Bah, pareil, moi, un touc. Toi aussi? Je sais pas ce que c'était. Débat parlementaire, Sénat, putain. C'est... Oh, je sens grand croix. 1993. Si vous voulez l'archive, il y en a. C'est joli ça. C'est la petite vieux, tu sais. Mais attends, c'est n'importe quoi. Oh, c'est quoi là-bas? Ah, je crois qu'on a accès au clocher. Franchement, c'est abusé. Bon, est-ce qu'il dit costaud les... Oh, il y a une vieille table d'école. Là, les doubles sièges en plus. Oh putain, est-ce qu'il est fiable les... D'accord, ok. Là, c'est rigolo. Ah oui, c'est le clocher, c'est le cadran avec l'horloge. Éclairage, système d'éclairage. Il monte pas à deux sur l'échelle. Non, ah oui.
un vieux rameur. Franchement, c'est laissé à l'abandon, mais de ouf quand même. C'est déconné. Vas-y, tire. Ouais, fais gaffe où tu mets les pieds là. Il regarde même pas, il met les pieds. Ouais, fais gaffe où tu marches, c'est pourri là. Sors des sorts de là. Mais ça va comme ouais. J'ai zéro déclenchement, ça c'est calme. Ah ouais. C'est un logement de fonction ça. Il y a un barbecue et tout. Ouais. Il y a un barbecue intérieur. Elle l'a vu ça, Sophie? Ouais, pas vu. Oh putain, fais gaffe là. Regarde. Directement dans la rue là. Visible. On va aller voir les souterrains. Ouais, c'est vide, c'est bon. Ouais, c'est vide. J'aime bien, syndicat du crime, c'est le repère à Clément. Ils ont rainuré dans le sol pour l'évacuation d'eau. Oh, oh, y a un soutien, un passage au terrain. Oh oui. Ah, c'est muré. Merde, dommage. Putain, c'est accès des souterrains, ça, je pense. Oh, dommage. Oh, c'est incroyable. C'est à quoi ça fait penser? Autant de la franc-maçonnerie qu'ils ont fait. Regarde, c'est l'eau qui coule de là, regarde, c'est des guides de flotte, regarde là. Quand il pleut, ça doit couler de là. Waouh. Mais c'est bizarre ces rainures comme ça là. Oh, c'est trop beau là. Incroyable. Bon, je pense qu'on va aller découvrir ce souterrain pour voir en face. Pour grimper, c'est bien. Ça. Bonjour, c'est Clément. Alors ça va grimper. On fera... Mais non, Pierre, il faut que tu me fasses accompagner. Ben oui, je vais vous faire grimper. Ah, mais je vais vous tirer. Ah, non. Non, mais c'est passionnant, les trucs. Ouais. J'aime ça. Hein. Vas-y. Ah, je vais faire monter Sophie après. Voilà. Ma main. Voilà. Ma main. Allez, vas-y, hop. Merci. Je vais me mettre derrière, passe la caméra. Essaye de passer. Vas-y, passe. Passe la caméra. Nickel, merci. Bon, on est dans le souterrain. Mais si. Ah bah, je descends. Attends, attends. Attends, attends. Regarde, tiens, Clément. Tu veux faire ça? Vas-y. Allez, vas-y. Si tu me prends, tu me poses, ça marche pas. Vas-y, portez là. Regardez la force de Seb. C'est beau, ça. Bah, c'est un jouet pour moi, tu sais. Ah oui, c'est un jouet, c'est sûr. Le poignard bon. C'est bon. Et moi, regarde, moi je fais l'ancienne, moi. Ouvre la caméra. Ah, il va faire la montée à la Batman. Ouvre les routes. Batman dans sa grotte là. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Merci. Oh, c'est stylé. C'est beau, hein. Incroyable. Si vous, ça va pas loin, mais c'est incroyable. Le casier a déclenché. C'est vrai? Le casier a déclenché. C'est ça. C'est moi? Ah, c'est parce que j'ai l'arme dans la poche, putain. Je suis trop con. Ah, dommage.
Et je me croyais dans Indiana Jones là. Ouais. Petit moment sympa. Non, du coup, la question que je me pose, c'est le cul qu'on a vu là-haut. Comme du coup, on l'a pas vu là. Ah, peut-être. Ah, ça peut communiquer. Non, mais ça compte pas ici, ça c'est sûr. Bah, si, parce que la fenêtre elle est là-bas. Ça peut communiquer. Mais c'est vrai, ça communique avec l'autre souterrain, en autre direction. Mais franchement, regardez ça en trop. Oh, je suis deg. Ouais. Comme ça, c'est bon le clairage. Ouais. Là, comme ça, vas-y. Alors, en fait, moins fort. Avec les mains à chaque fois, tout. Ah, je suis deck. Ouais, c'est je me suis dit putain, on va faire courir sous la ville et tout, ça va être trop bien. Ouais, c'est pareil. On s'est fait un film de compète. Ah ouais. Moi j'étais parti à moitié Indiana Jones et tout. Ah, moi aussi. Putain, j'en écoute trop peu là, qu'on fasse du souterrain là. Attends. Bon, les amis, vidéo terminée. Franchement, c'était une exploration vraiment sympa, assez atypique. À un moment, on a cru qu'on allait partir en mode Indiana Jones dans ce petit tunnel. Franchement, on y a cru. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont bouché juste là, la suite du souterrain. Parce que d'après ce qu'on a compris, dans cette ville, elle est remplie de souterrains. Donc je pense d'ici à une époque, on devait pouvoir y accéder, mais tout a été bouché. Alors, en tout cas, ils ont bouché. On sait pas pourquoi, du coup, c'est bizarre parce que du coup, ici, on va fermer et ils ont bouché, ils ont muré. Bah, parce que peut-être qu'on peut accéder à l'extérieur. Ah, ouais, peut-être. Mais là, on est haut encore par rapport à la route de base. Oui, parce que c'est-à-dire que ça va être ça encore plus bas, du coup. Ouais, donc voilà. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter, de liker, de partager. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est important. Vous abonner à Clément, à moi et à Mademoiselle Sophie. Et nous, on dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!